Depuis un temps, le duel CS Don Bosco FC Saint-Éloi-Loupopo a pris une autre image. Lorsque Salésien et Cheminot se retrouvent, Timba va prendre ses responsabilités dans la suite de ce match, donnant au score une véritable allure de correction 5-0 à la 54. Timba va prendre ses responsabilités dans la suite de ce match, donnant au score une véritable allure de correction 5-0 à la 54e et une combinaison avec Trésor Kadinda 6-0 à la 88e. L'addition aurait pu être plus lourde pour les Océanistes si la dernière tentative de Mugalu Mutimba n'était pas repoussée par la barre transversale ainsi que par les gardiens Bukasa Kazadi, 6-0 score. Kaz à bout de souffle, Loupopo en profite pour porter son pedigree, 2 buts contre 1. Kaz à bout de souffle, Loupopo en profite pour porter son pedigree, 2 buts contre 1. Mon sein de cette formation. Voilà, ça y est, Mugalu Mutimba la frappe. Et les premiers. Mon sein de cette formation. Voilà, ça y est, Mugalu Mutimba la frappe. Loupopo se bonifie sur ses corners des saisons. Héritier Makambo trouve sur une passe bien millimétrée Crispin Mugalu Mutimba. En pleine surface des vérités, le buteur maison de Viette est saison. Héritier Makambo trouve sur une passe bien millimétrée Crispin Mugalu Mutimba. En pleine surface des vérités, le buteur maison de Viette signe l'ouverture du score. Kamba, d'une tête piquée, concluant les centres des Mugalu Crispin. Dans le gradin, le public assiste à un spectacle gratuit. Kamba, d'une tête piquée, concluant les centres des Mugalu Crispin. Dans le gradin, le public assiste à un spectacle gratuit. On se dit de Loupopo est bien en place. On tente de trouver la balle. Il est tout seul, miraculeusement, devant le perche, face à face. Première alerte et ouverture du score. On se dit de Loupopo est bien en place. On tente de trouver la balle. Il est tout seul, miraculeusement, devant le perche, face à face. Première alerte et ouverture du score. Mbazano New Look, renforcé dans ses rangs par quelques nouvelles recrues, à l'instar d'Inviet Mugalu s'y colle et se tire une balle dans les pieds. Son ballon passe à côté de l'objectif. L'AS Mantou Inviet Mugalu s'y colle et se tire une balle dans les pieds. Son ballon passe à côté de l'objectif. L'AS Mantou est tétanisé, perd beaucoup de duels. Trésor Kanyinda au port sous lui qui n'a pas fait un match à son image. Régale. Dans une période magnifique, lui qui n'a pas fait un match à son image. Régale. Dans une période magnifique, Loupopo va même dépasser le cap de la Manita. Du défenseur de RCGM, c'est qui fait à la mi-temps 2 pour Loupopo et 0 pour RCGM. À la reprise, les bleus et blancs de RCGM. Du défenseur de RCGM, c'est qui fait à la mi-temps 2 pour Loupopo et 0 pour RCGM. Des Loupopo et sans pitié sur cette tête qui va redonner le sourire à un peuple qui désespérait. L'égalisation, c'est Mugalu, c'est lui. Mugalu Mutimba, Loupopo, ils y croyaient. Des Loupopo et sans pitié sur cette tête qui va redonner le sourire à un peuple qui désespérait. L'égalisation, c'est Mugalu, c'est lui, Mugalu Mutimba, Loupopo, ils y croyaient. Malgré la pression des cheminots, Mazembe n'avait pas encore dit son dernier mot. Patrice Carteron opère un changement au moment. Le capitaine Kabangé Tuité se mêle à l'affaire et permet à Mugalu de signer son doublé. Étendant son bonjour, encore et toujours Mugalu réalise les triplés. Le capitaine Kabangé Tuité se mêle à l'affaire et permet à Mugalu de signer son doublé. Étendant son bonjour, encore et toujours. Une combinaison de Mutimba, Dan ouvre le compteur but de Viette, habillé aux couleurs de la ville. Nurba Ometo sera dévié de la tête par Mugalu, mais le portier Munkoro sortira le grand jeu. En se créant quelques occasions, Mugalu Mutimba se débarrassera de son vis-à-vis pour effectuer un centre qui sera repoussé en corner. Quelques temps après, le même Mugalu armera sa frappe sur une balle arrêtée, mais n'inquiétera pas le portier Munkoro. Mettant. Ce n'est pas en première période que Loupopo va espérer en un déclic pour faire oublier les derniers. Ce n'est pas en première période que Loupopo va espérer en un déclic pour faire oublier les derniers jours des turbulences. Le sportif Don Bosco n'a tout de même pas été bouclé. Le débordement de Mugalu est parfait, son centre est touché par un défenseur salésien, ensuite personne à la réception. Les Viettes sont moins généreux.
Le débordement de Mougalou est parfait, son centre est touché par un défenseur salésien, ensuite personne à la réception. Les Viettes sont moins généreux devant, Héritier ne fait pas d'enjeu. Pour les Océanistes, si la dernière tentative de Mougalou Moutimba n'était pas repoussée par la barre transversale, ainsi que par les gardiens. Pour les Océanistes, si la dernière tentative de Mougalou Moutimba n'était pas repoussée par la barre transversale, ainsi que par les gardiens Bukasa Kazadi, 6-0 score final, Océan. Qui a aligné une équipe hyper offensive avec une densité au milieu de terrain. Jouable de la première minute du match, Crispin Mougalou donne les temps, mais il rate les coches. Vient ensuite les tours